Le sport cycliste, c'est un sport d'endurance. Et la réussite d'un leader, elle ne peut pas se faire tout seul. Ça m'arrive de rouler avec les coureurs quand ils font des sorties tranquilles pour justement me rappeler que le vélo, c'est dur. C'est l'un des sports les plus durs au monde. C'est un sport qui, finalement, est assez complexe. C'est multifactoriel et il faut s'améliorer, finalement, tout le temps pour la recherche de la performance. A lot of factors can play. We have the material side, we have the preparation side, the health side, so it's quite complex. Il faut vraiment aussi que toute l'équipe soit en osmose avec les coureurs avec le staff. C'est vraiment une équipe, une famille. Et... Il faut savoir trouver le juste milieu, une main de fer dans un gant de velours, savoir manager tous ces hommes, ces femmes, parce que c'est très important, la cohésion de groupe pour réussir un Tour de France est la priorité. Toute l'organisation s'articule autour de nous. Les coureurs arrivent, c'est tout prêt. C'est-à-dire que sinon, on met un grain de sable dans la machine, on met tout le monde dans le beau drap. Ça va, Yako? Ça va, Ben? Oui, ça va. Ça va? On est garé juste là. Tu as fait le stage, toi, avant? Non. Non. Moi, j'étais prévu. Moi, c'était un peu compliqué le début, c'est ça, donc... Ouais, mais là, c'est bien, là, les sensations elles reviennent. Ouais, ça va commencer. Tant mieux. Allez, bonne nuit. On est là pour qu'il leur manque rien du tout, qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles, pour avoir les meilleurs résultats derrière. Je sais pas trop si on aura des transferts ici. Normalement, ça va. On est toujours là, un peu à chercher, tiens, je dois faire ça, ça, des petits trucs qui font que on est là aux petits soins pour eux, en fait. Il y a toujours quelque chose à faire, en fait, dans ce métier. Ouais, bah, c'est toute la préparation, donc si on se coupe maintenant, ça aura des répercussions tout au long de la journée. Donc il faut être précis dans tout ce qu'on fait. C'est l'articulation, c'est de la mécanique pour que ça soit bien réglé. Tous les vélos sont du sur-mesure, donc tous les vélos sont vraiment personnalisés. Chaque coureur a des codes différents et on travaille pour optimiser le rendement et avoir un vélo le plus performant le jour J. On est mécanicien, on est là pour du dépannage. S'il y a de la crevaison, des chutes, des problèmes mécaniques, on est là pour intervenir dans le délai le plus bref. Ouais, vas-y, vas-y. Checker mon pédalier. Après, là, les chaînes, elles sont sèches. Là, je peux le te dire. Tu te sentais pas où? Moi, je la vérifie avec le back-sitting. Et de là, je repercute. Je t'envoie un message. Tu veux regarder la hauteur, tu vas voir. Tu veux vérifier. Nous, c'est vraiment plus sur la performance pure, le confort, essayer de faire des petites modifications. On est vraiment là pour mettre le coureur dans les meilleures dispositions. Mon rôle au sein de l'équipe, c'est de coacher mes athlètes au quotidien. Il y a la préparation en amont et puis bien sûr le jour de la course, que ce soit une course à étapes ou une course d'un jour. Voilà, donc c'est justement le rôle du directeur sportif de définir le rôle de chacun par rapport aux critères de chaque coureur, dans quelles conditions il se trouve, s'il a bien assimilé la course d'avant. Mes assistants sont au quotidien avec les coureurs, donc là c'est important d'avoir des infos, d'aller chercher les infos auprès des assistants et des mécaniciens également au niveau du matériel. Mais quand on prépare la course, on est dans l'autre bulle vraiment sportive, en pensant qu'à la performance, en essayant d'être au plus juste au niveau des objectifs et des rôles de chacun. Donc c'est aussi important de prendre les bons automatismes au niveau du collectif, de surfer, comme l'a dit Vincent, sur la bonne dynamique qui est la nôtre actuellement. Et on sait que c'est souvent comme ça dans le sport. Il y a des séries. Donc là, on a entamé une belle série. Et je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour continuer, pour performer et gagner. Biggest race of the year, so I think it's always a big goal in my career to have a good performance in the Tour de France. It comes with a lot of pressure, but also with a lot of ambition from the riders. On va vivre sur le Tour de France 4 semaines ensemble. C'est clair que si on s'entend pas, si on fait pas corps tous ensemble, il y a forcément des moments où on se prend des claques. C'est là qu'il faut être bon, rien lâcher, trouver les bons mots auprès des coureurs. Les vraies valeurs de l'équipe, elles sont là aussi.
Quand moi j'ai créé mon équipe, c'était plutôt une petite équipe de copains sympas, avec toujours en filigrane et en fil rouge le sport. La priorité, c'est quand même qu'on est une équipe de sportifs. Ça fait 15 ans que la belle histoire continue avec Vincent. On se voit chaque été sur les routes du Tour de France. On vit des moments assez rares, notamment liés à la victoire. On sent qu'il y a une émotion très très forte qui reste ancrée dans notre mémoire et dans notre cœur. Et voilà, le compte est bon. Prêt au combat.